تنفتح البصائر بعد غيم، فتنكشف الغياهب والغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous reprenons notre cheminement avec le sage Ibn Ata'illah al-Sakandari, notamment en nous penchant sur certaines de ses sagesses. Et parmi celles-ci, il y a la suivante. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس واتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. Ce qui signifie, si tu hésites entre deux choses, considère laquelle est la plus pesante pour ton âme et suis-la. Rien en effet ne lui pèse qui ne soit vérité. Nous pouvons effectivement être confrontés à des situations où il faut faire un choix entre deux choses, on hésite. Qu'est-ce que je peux choisir? Par exemple, j'ai la possibilité de suivre un cours qui est donné au niveau des sciences islamiques, ou bien j'ai la possibilité de me livrer à des prières surérogatoires. Et je réfléchis entre ces deux choses. Eh bien, si je dois me déterminer par rapport à des actions qui ne sont pas en elles-mêmes obligatoires, eh bien, si je dois me déterminer, quel est le critère que je peux me donner? Ibn Ata'illah al-Sakandari nous dit que ce critère, c'est d'observer ce que ton âme charnelle, ton nafs, te dicte, et fait exactement le contraire. Parce que cette âme charnelle, inna an-nafs la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Donc on a déjà vu ce verset répété plusieurs fois. Certes, l'âme charnelle, an-nafs, ordonne de façon insistante le mal, sauf celui que Dieu épargne de par sa miséricorde. Eh bien, cela signifie que nous devons aller contre cette âme charnelle. Et d'ailleurs, on le sait, on le voit très très bien dans le Coran, où il nous est dit « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى » Quant à celui qui craindra la haute position de son Seigneur ou de devoir comparaître devant son Seigneur et qui empêche son nafs de suivre sa passion, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى » Le paradis sera alors son refuge. Et donc cela signifie qu'il faut contrer ce nafs, cette âme charnelle, parce qu'elle ne nous conduit que sur des voies qui sont, en tout cas pour nous, nuisibles. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut mener un jihad, comme vous le savez, intérieur. J'hésite entre deux choses, eh bien, dans ce cas-là, je vais contrer mon âme charnelle. C'est d'ailleurs là un des aspects les plus importants de l'éducation spirituelle, comme vous le savez, puisque quand quelqu'un se charge d'éduquer des individus qui sont en quête de Dieu en suivant une voie spirituelle, ils vont faire en sorte de donner des médicaments qui sont parfois amers, comme dans la médecine du corps. On guérit très souvent par des solutions qui peuvent être douloureuses. Et bien de la même façon, au niveau de l'âme, il faut contrer la passion. Quelqu'un qui aime l'argent, on va lui le conduire, l'engager à donner, à faire des aumônes. Quelqu'un qui aime le pouvoir, eh bien, on va l'inviter à se mettre au service des autres. Quelqu'un qui est dévoré par des passions, comme la passion amoureuse, on va l'entraîner sur la voie du jeûne, de l'abstinence, de certaines restrictions, de ne pas aller au-delà des limites de ce qui est licite et ainsi de suite. Donc cela signifie qu'il faut corriger cette âme charnelle et faire exactement le contraire de ce qu'elle nous impose lorsque la chose visiblement nous entraîne vers le mal. Et lorsqu'on a un doute, eh bien c'est là aussi un critère qui nous est donné, c'est d'aller contre ses intentions intérieures qui ne sont pas toujours du meilleur conseil. Au contraire, lorsqu'il s'agit de nafs, eh bien cela est nuisible pour l'individu. Voilà ce que nous dit cette sagesse, et elle est pleine d'enseignements. Le djihad, concernant l'ego, c'est la chose, la lutte la plus importante. Lorsque l'on jeûne, lorsque l'on prie la nuit, il ne faut pas oublier la finalité de tout cela. Ce n'est pas d'avoir le ventre vide, ce n'est pas d'avoir sommeil, mais c'est d'aller contre la propension de notre ego à s'appesantir dans les excès du confort
Et tout ce qui relève des enseignements de l'islam, finalement, comprend une volonté de contrarier l'ego. Si je prie, si je me lève le matin, eh bien, je dois aller contre le sommeil. Si je donne, eh bien, je dois avoir la zakat, je dois avoir à aller contre mon instinct de possession. Si j'accomplis le hajj, eh bien, dans ce cas-là, à travers le pèlerinage, je vais me tirer de mon confort habituel pour vivre des jours qui ne seront pas du tout ordinaires, en allant à la rencontre de mon Seigneur, et ainsi de suite. Lorsque je jeûne, eh bien, c'est évident que là, je fais un effort contre ma propension à goûter, dévorer les excellentes nourritures, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a là un enseignement qui est majeur pour nous. On se doit de le méditer, de le suivre et de prendre la résolution de contrer notre ego. C'est l'un des enseignements, notamment du mois de jeûne de Ramadan. Il est au cœur de notre pratique. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent cette voie. Wa jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لها في الصدر إن نشرت نعيب.